Bonsoir, chers compatriotes, Guinéens et Guinéennes. Les abonnés partagés en temps réel, c'est une urgence. Donc, c'est de vous adresser encore, de m'adresser à vous, le peuple guinéen. Le bureau de Elagissé Loudalen Diallo est attaqué par des hommes en uniforme. Et je vous parle, c'est en temps réel. Ils sont partis pour s'attaquer au bureau, chercher les PV et les procès-verbaux, les vrais résultats qu'on vient de proclamer. Ils sont partis chercher ça au bureau du président Elagissé Loudalen Diallo. Le message est d'appeler tous nos militants et sympathisants en Guinée-Conakry de se diriger au bureau du président Elagissé Loudalen Diallo. C'est de l'autodéfense. De priver ces personnes-là de tousser à nos résultats à nous, les vrais résultats qui viennent des urnes. Partager au maximum possible, alerter nos militants qui sont sur le terrain en Guinée et d'aller directement dans le bureau de Elagissé Loudalen Diallo. Le bureau est attaqué par une dizaine de pick-up, des hommes en uniforme. Et le but, ils sont venus chercher des procès-verbaux et des PV et de nos résultats, les vrais résultats qui viennent des urnes. Donc on est attaqué. Et nos communicants de partout dans le monde, et c'est très urgent, c'est très important, véhiculer le message. Nos militants doivent être actifs la nuit et de venir encore encercler la maison, le domicile du président Elagissé Loudalen Diallo. Et on n'est pas prêt à reculer, nous allons nous battre en temps réel. Et nos militants et sympathisants, restez actifs, nous allons combattre ces imbéciles, nous allons combattre ces inhumains, ces irresponsables, et en aucun cas nous allons reculer en arrière. Peu importe la manière dont ils vont nous attaquer, peu importe leurs intimidations, en aucun cas nous allons reculer en arrière. Et le bureau du président est attaqué. Les militants, dirigez-vous au bureau du président Elagissé Loudalen Diallo. C'est de l'autodéfense, c'est de la légitime défense. Et ceux qui sont auprès aussi de Dixine, encore, venez encore, on a du monde là-bas, et venez encore passer la nuit auprès du président de la République, Elagissé Loudalen Diallo, et nous allons défendre Elagissé Loudalen Diallo, nous allons défendre la patrie, nous allons défendre la liberté. Et partager au maximum possible, c'est l'alerte, ça se passe tout de suite en temps réel, là où je vous parle. Une dizaine de pick-up pour aller chercher les procès-verbaux et les PV au bureau du président Elagissé Loudalen Diallo. Je vous remercie infiniment. S'il y a quoi que ce soit, je viens vous dire en temps réel que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Amen. Je vous remercie.